Mounal actuellement là, ça va fonctionner à travers le pays. Nous besoin mettre plus toujours. Nous besoin de petit panier solidarité qui a développé pour mettre les gens capables de jouer kit, pour jouer manger ou bien nourriture qui est capable d'aider. Ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Attention, hein? Nous ne pas dit programme social, ça, c'est qui va résoudre le problème des Haïtiens. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas attendre ou besoin de soutien. Et pour faire, il faut gagner moyen l'amour. Et qui côté pour moyen soutien? Mais sinon, c'est sur gaz, c'est sur tout, c'est de l'autre produit qui est dans le pays. A. Pour jouer. Est-ce que nous avons arrivé dans une situation où nous avons dit, bon, autant de. Les professeurs pas touché, professeurs grève, vous avez tout le monde déjà qui a des problèmes déjà, qui a essayé de résoudre, c'est avancé, n'a pas avancé. Mais, ou carité, ou t'as des policiers pas touché, ou bien l'État vient dans une situation où il n'a pas répondre à l'exigence. Est-ce que le monde, d'ailleurs, le monde dit ça a plus bon? D'ailleurs, le monde vient expliquer que la plus bon que nous avons payé à nos escombrites, côté l'État pas assumé aucun engagement. Et puis qu'on y a là, nous dit c'est ça qui est bon, nous pas qu'à faire comme ça. Et nous avons des engagements tout avec des partenaires internationaux qui ont même voulu aider parce que Haïti pas qu'à fonctionner pendant la parlé là d'adieu et en autarcie. Nous avons dit bon, nous étions là, nous pas besoin qu'on qui ça l'autre monde, l'autre pays a réglé et nous à bailleur ça pas intéressé nous, nous même nous étions là dans petit coin pas nous puis n'a fait affaire nous. C'est pas ça. Ce que nous besoin effectivement pour prendre au sérieux. Nous disons ça que nous avons des problèmes, nous avons besoin. C'est pas, attention, hein? Nous besoin d'aide. Mais c'est pas que nous-mêmes, nous, c'est dans n'importe quelle condition, nous prenons aide là. Le gouvernement, ça a très clair. C'est ça, le président de la République, là, M. Jovenel Moïse, le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, le gouvernement, il est très clair sur ça. Mais nous n'avons pas accepté. Nous avons besoin d'aide, l'autre partenaire qui est capable d'aider nous à avancer sur le chemin de développement. Mais si nous disons effectivement, nous d'accord pour nous besoin d'aide. Et puis pendant ce temps, nous dit nous tellement forme, nous avons subventionné gaz, ou bien prix gaz, surtout pour les gens qui sont plus capables d'acheter l'eau. Laisse ça, Alvin, bon problème. Il y a pensé, il y a dit attention, ou pas de problème, oui, ou n'a menti. Pendant que nous avons parlé de subventionner là nous-mêmes, en République dominicaine, Galo Gaza, c'est 4,99 $. Il est presque 5 $. Maintenant, les $3.44. Comprenez bien, oui? Entre $3.44 et pratiquement $5 en République dominicaine. Alors, on a une Dominicaine qui vient là, qui vient prendre Gaza. La prend, le prix, ça va prendre là. La Cali, le Pichet, il traverse avec elle. Par exemple, seul pays dans la région, dans toute région, Caraïbes et Amérique latine, côté prix à Piba, passez nous, c'est Trinidad. Trinidad qui est pétrole, il a même. Nous ne gagnons pas nous-mêmes. Nous disons dans toute région net, c'est pris en Haïti, puis bas que tout côté net. Alors c'est en forme dans forme comme ça, c'est renouvelé comme ça, c'est économie qui jam comme ça, c'est tellement en forme. Parce que l'autre pays, ça puis nous dit non, nous avons des moyens, nous avons moyen, nous avons financé et puis nous avons subventionné. Pendant ce temps, il y a des programmes que nous besoin qui pour atteindre la population et puis pour nous dire nous n'avons pas des moyens pour nous faire. Nous pas qu'à faire comme ça. Donc, dans mes populations, vous comprenez. Il y a des gens qui ont une famille haïtienne, qui ont une pile de famille, qui ont vivent à partir de l'autre monde qui peut-être travaille dans l'administration publique. Là. Ou bien qui ont l'autre côté, l'autre travail, qui fait occuper 5 à 10 personnes. Mais si l'État vient dans une situation, il ne peut pas payer les gens. Parce que nous n'avons pas de recettes. Nous disons que nous avons subventionné et nous n'avons pas de recettes. Eh bien, les gens ne peuvent pas souffrir. Ou bien des familles qui peuvent peut-être des gens là, peut-être de ton côté là, ils ne peuvent pas payer. Ou bien ils sont obligés de compresser, ils sont obligés de foncer des bagages qui permettent. Des gens vont souffrir. Donc, je demande à tout syndicat et de transport, tout groupe qui peut-être a déjà alarmé et population, puis qui a cherché à dire que c'est le bagaille qui n'est pas vraiment collé à la réalité. Je dis que un patriote, c'est-à-dire un remet pays nous, parce que si que nous disons, juste pour nous faire, ou bien parce que c'est du cavale, ou bien, c'est pas, attention, le gouvernement, c'est pas un mail tarin, mais ajuste les prix. D'ailleurs, il n'y a pas monté prix, il n'y a pas ajusté. C'est pas un mail tarin, mais fait ça. Mais il y a une exigence, nous ne sommes pas capables de nous mentir, pour nous dire, bon, même si nous n'avons pas de moyens, bon, et ça va dire rien, nous avons fermé l'hôpital, l'école que nous avons fermé, le professeur qui a touché,
etc. Bon, on fait comme ça parce que pas gagner au problème de hausse des prix. Donc, on t'a aimé que nous clés sur ça, donc nous ne pouvons pas faire. Alors, l'autre petit prix que l'autre petit. Il faut que je dise tout, depuis 2015 à nos jours, okay, nous avons déjà perdu 24 milliards, plus de 24 milliards. Et de 2010 à Genève, nous avons perdu plus de 47 milliards. Alors, est-ce que nous pensons qu'on va continuer à faire ça? Donc, c'est une question ça qui est là, et nous avons tout le monde compréhension dans ce sens. Quand l'autre problème qui parlait de question électricité, tandis que Gampil parlait en pile sur ça, on a dit tout le monde que c'est pas gagné ou augmentation de gens qui a dit il a monté prix et kilowattheure, il a comme si on va payer plus cher, etc. C'est pas vrai, c'est un effort de recouvrement qui a fait, qui a marché, ok, qui déjà bail des résultats. Et je pense que faut que tout le monde encourage ça parce que EDH a dépensé 250 millions de dollars pour subventionner EDH alors qu'une barre de courant. Donc, je pense que l'effort ça aussi apprécié pour apprécier. Donc, c'est un effort de recouvrement qu'a fait. Pas gagner aucune augmentation de prix. Et, comme si courant pral vin plus cher. Jean Demon a parlé, nous tout profiter démenti ça. N'apprêté là, si nous gagnons des questions, n'apprends pas. Première question. Bonjour tout le monde, moi c'est Germina Pierre-Louis, je travaille pour Radio Méga. Monsieur le ministre, je suis dans une conférence de presse au Tébaï avant, pour te annoncer le service circulation ou AVCT à reprendre. Ça qui t'a laissé nous croire que nous avons entendu qui t'a permettre une reprise totale de l'activité. Mais pas plus tard que hier, nous avons un syndicat ou AVCT qui dit à continuer le mouvement grève pendant que nous avons ouvert pour. À dialogue, donc nous avons reconnu comment le processus est bon côté gouvernement. Merci. Ouais, merci pour la question. Mais c'est mon cap dit ça, oui, c'est le syndicat qui a dit ça. Je pense que le combat est à l'envers. Si vous prêt pour dialogue, en dialogue, ce n'est pas grève pour faire. Ça dit que grève là, c'est le dernier bagage pour faire. Grève là, c'est le dernier bagage pour faire. Donc si vous prêt pour dialoguer, en chita pour parler, mon bagage dit ou déjà arrivé dans la grève, qui c'est le dernier étape. C'est le dernier barrage que le syndicat a fait. Pour dire qu'il a fait grève. Mais, ou dire qu'il a fait grève, pendant ce temps, il a besoin de parler. C'est le manque de sincérité là-dedans. En nous tous, nous avons travaillé, nous avons avancé. Et puis, nous avons dit, mais tel problème, nous avons chuté ensemble pour nous voir qui sont capables d'avancer. Mais, on va dire que la dernière mesure, que le dernier barrage que le syndicat a fait, et puis, nous avons dit, pendant ce temps, ou prêt pour parler. Moi-même, j'ai encouragé tout employé. Et je connais des employés qui travaillent. Qui a fini, qui a essayé de faire un service dans l'OAVCT. Et je connais un employé qui est prêt, qui voulait jouer un accord avec les responsables pour que yo avance. Je suis au courant de ça tout. Donc je pense que je m'encourage à chemin ça. Vous voyez, Chita, oui, effectivement, qui est capable de résoudre le problème. Nan. Mais pendant ce temps, l'air que ou bon monde pas un service. Assurance fini, ou pas qu'à un service, ou bloquer tout bagaille, et puis qu'on a dû les dialoguer, et je ne sais pas quoi que les marchés comme ça. Mais heureusement, je pense que il y a des gens, des employés qui ont même compris la situation et qui ont fait un effort pour reprendre le travail normalement et d'encourager eux parce que l'État m'a garanti que je ne vais pas bloquer. Souvelez ou même continuer le mouvement ça, et moi, c'est un petit conseil, je vais le travail. Collaborer, poser problème yo, certainement dans la mesure possible, il y a adressé problème yo. Mais conseil moi bye tout le monde. Bye j'en dis plus, mais al travail, ça me dit notre bon conseil. Al travail. Ça me dit le très important, pas besoin insister sur lui plus, al travail. Ça très important ça me dit là. Deuxième question. C'est Ronald, m'a travaillé pour Radio Solidarité. Et est-ce qu'on est capable de dire nous à partir de qui la disposition pour augmenter le gaz là est effective? Et puis est-ce que on ne pas penser que décision ça, la baille opposition a une opportunité pour les capables de commencer mobilisation li à faire contre pouvoir? Et Mabdjou, bon juste dire un autre chiffre. Gagné plus de 407 millions. De gouttes que l'État haïtien, par compagnie
Gazio, compagnie qui a vendu Gazio. Pour qui ça? Parce que mon temps, ça, c'est perte que l'État obligé, en plus que nous fait perte là, mais nous obligé à payer compagnie, modèle comme ça, que nous devons. 407 millions, de plus que ça, en plus de perte, c'est juste pour nous payer une série de compagnies caribéen. Mais, monsieur, est-ce que nous avons une logique économique dans ça? Moi, je me dis, monsieur Gislain Farel, ben c'est qui est très raisonnable, qui a essayé d'expliquer la population, tout comme économiste. Ok, ça n'est pas logique, n'est pas raisonnable. L'État est raisonnable dans un pays peut-être qui a un gros moyen, mais le pays qui a un gros moyen, pas fait. Donc c'est égaré. Pays à eux. Pays qui a un gros moyen, mais lui, si vous faites pas tellement dérangé, non, vous même pas fait. Nous même qui n'avons pas de moyen, qui n'avons pas rien ça, nous dit, nous avons assez de moyens pour subventionner le carburant que nous n'avons pas fait, que nous n'avons pas acheté sur le marché international. Donc, il y a des gens qui ont dit, effectivement, il faut aller sur la frontière pour ramasser plus de corps, pour collecter plus de recettes. C'est vrai, nous avons besoin de faire ça. Mais pour faire ça, c'est avec Cobre, Cobre pour investir, oui, pour renforcer la présence sur la frontière, que nous avons besoin de faire. Pour mettre au système ou équipe sur la frontière, sur toute frontière, dans différents points sur la frontière, pour dire, bon, nous avons bloqué tout contrebandier qui a rentré avec Baye ici. Eh bien, et bon Cobre pour investir pour faire. Nous avons dit très souvent dans des gens qui disent ça, moi je suis content, ça vient dans la tête, moi là pour me dire ça. Tout le monde dit non, c'est pas ça pour nous faire, il faut que c'est sous frontière pour nous ramasser comme cap perdu. Et c'est vrai, de guérison. Hein? Mais pas de guérison, hein? À qui ils ont pas fait? Ou à le décréter comme ça et puis ou à regarder, ou bien qui j'en. C'est moyen pour mettre dehors, pour gagner, il faut gagner un policier, baronnet, pour gagner actuellement l'armée, donc un policier tout qui l'a pour ça. Laisse la faute à vraiment renforcer la présence sous frontière, faute ouane, t'as vraiment. Et une équipe solide qui a travaillé, qui a moyen dans le pour faire travail là, dans l'envergure que vous avez fait là, etc. Mais tout ça, c'est investissement lié, c'est COB. Donc, il faut l'État entrer COB et COB, les recettes que l'État doit rentrer, qui sont pas acquis normales, c'est pas abus à faire aucun monde. Donc, il faut le cas rentrer. Et s'il pas rentrer, le ça, c'est le peuple qui a le problème encore, parce que le peuple a pas le camper, pour le dire justement, et mais le bac à l'école. Mais là, l'école, il n'y a pas de professeur. Si on va à l'école, il n'y a pas de professeur. Là, le centre de santé, c'est des bagages de base, il n'y a pas besoin. Et il y a un problème qui existait déjà, qu'on a essayé de résoudre. Mais si le gouvernement a essayé de résoudre, et puis qu'on a le prêt à retourner derrière, pour laguer le pays, en plus, tu boum. Parce que des gens disent, gaz là, comme si il n'y a pas de ajuster. Je ne crois pas que ça, c'est une bonne logique. Donc, on a parlé de manifestation. Moi, je pense que la population, c'est lui-même tout faut l'ouvrir Gilles. Ouvrir jour pour connaître que l'homme on a dû manifester pour prix gaz, soi-disant pour prix gaz, mais yo même yo gè problème pour acheter gaz, c'est yo qui a bénéficié. Pendant yo gè quoi pour acheter normalement, mais c'est yo qui a bénéficié, on garantit ça. Moun wa k'ap voual manifester. K'ap peut-être même ou ça arrive, ou quand même jeune moun k'ap financer ça. Mais moun ça k'ap fè là, c'est pas pour ou peuple li fè. L'a fait pour lui-même parce que gros bon, pas de problème non avec monde qui gagne moyen pour créer job dans le pays, c'est normal. Moi m'apprécie ça, moi même ça, moi c'est gouvernement président, c'est ça pour encourager investissement privé et pour que nous gagne création d'emploi, pour que l'économie est capable booster, etc. Mais m'pas qu'a dit par exemple on a qui gon gros usine qui fait cob et faut le faire cob, nous besoin de faire cob, faut le faire cob parce que la PVC. C'est normal, la baille travail, c'est normal. Mais il faut acheter gaz pour le faire machine et pour le faire industrie à côté de la fête comme là. Il faut acheter gaz pour lui. Mais nous-mêmes, nous besoin de subventionner. Pour nous dire, gros compagnie ça, et faut nous subventionner. Mais pour qui ça? Ça l'État, comme l'État ramasse, ça le besoin de faire avec, c'est en bas le besoin de jeûner. C'est pas en l'air. C'est en bas pour jeûner. L'air en bas, qui est en bas après jeûner, eh bien, dans le programme social, il y a jeûner. Dans l'autre, mise en place qu'a fait pour créer un cadre qui permette moun ka vin investi dans le pays. C'est là le bras jeune pour créer job, pour créer emploi dans le pays, pour économie croître. C'est ça qu'on a besoin. Mais c'est pas pour dire comme là directement, ou ben moi bon et pas que va faire bon. Même pas besoin moun di mais financer pour gaz, pas besoin ça.
gen peut-être dans nous là c'est professionnel mieux nous même qu'a faut téléphone mettons petit gaz m'a dit nous pas besoin mais moun qui plus besoin là c'est moun en bas et c'est pas les jeunes livrés c'est parce que payer deux gouttes en plus nos camionnettes qui fait que c'est ça qui arrange pendant ce temps si le fait que il pas payer deux gouttes seulement il pas payer trois gouttes il va payer cinq gouttes et puis quand il y a ça qui passé il garder le et il pas li gen gou la li toujours pas gen moyen pour le manger li gagnen gen ti moun ki pou al l'école par exemple le petit maman chérie moun rit la kali li recevoir un petit cob qui utile li pa joine ni mais ça tout ça compenser dans l'autre bain bio l'autre garde par exemple pour étudiant li joine un petit cob qui va permettre li faire copie faire ba li besoin pour étude li font ti bouger tout bain ça. Mais c'est comme ça, oui, c'est comme l'État collectif qui a fait. Et je vous garantis, je ne vous dis pas, comme là, pas de gagotte, pas de monde. Comme ça, je vous garantis, c'est dans le service population là. Et nous avons vérifié ça. Nous voyons qui est le président de la République là, son monde qui est dévoué, qui vraiment a cherché tout moyen possible pour adresser des problèmes que la population a gagné. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, gouvernement, mais. Moi-même, quand je dis nous des bagages, c'est parce que j'ai une chance, je suis allé au Conseil des ministres, c'est pas bien fait pour la presse. Moi, qui détermination gagne, qui engagement que le président de la République et gouvernement gagne pour essayer d'adresser ces deux problèmes. Donc, nous ne pouvons pas faire back. Nous ne pouvons pas faire back. Et, je me dis, nous ne pouvons pas faire back. Nous ne pouvons pas retourner dans une situation qui était pire quand nous devons joindre le pays. Donc c'est avancer pour avancer. Donc je dis à ce qu'il y a une route qui a fait. Tout la loi dans le sud, volume route qui fait. Soit dans la Tibonite, le volume travail qui fait. Si, comme si tout projet que le gouvernement a gagné, matériel ou a acheté, côté je dis à la gagné 10 départements, côté gagné matériel pour le travail, gagné cap vini, gagné pas courivé. Mais tout ça, c'est l'État besoin quoi pour le faire. Pas aucun pays capable de développer, ou bien capable avancer sans que l'I pas gagné. Recette, moyen pour le faire. États-Unis, il y a un plus gros crime qu'on a fait, c'est pas payer taxes. Il y a un plus gros crime qu'on a fait aux États-Unis. Regardez, il y a un dollar là pour te bailler là, ou faire fraude ou pas bailler, c'est un plus gros crime qu'on a fait. Et pour qui ça? Parce que les États-Unis estiment que c'est le peuple, c'est l'un pays pour le jeune corps, pour le fonctionner, pour le capable, et mettre en place politique qui permet d'adresser les problèmes qui gagnent dans le pays pour tout le monde. C'est-à-dire que les gens, qui n'ont meilleure situation, mais faut contribuer pour l'autre sac en bagage. C'est ça lieu. Il y a des gens dans le pays là, c'est sous taxe que nous-mêmes là nous payer qui fait ka, peut-être manger, un plat de manger. Autrement dit, on est capable de payer. Donc, l'on pas payer taxe là, les gens en bas, c'est les victimes. Les gens même qui payent gaz là, et puis ils ont dit subventionné. Moi même qui paye, ils ont subventionné. Eh bien, sac en bas, et ils payent, oui. Et ils payent parce que ça a subventionné, mais plutôt, bah, il y en bas, on va vler. Ça fait suffisant sur des gros compagnies, cap gros industrie et factory, cap qui vraiment a utilisé courant. Eh bien, il n'y a pas besoin, c'est moun en bas, c'est peut-être moun cap travail dans la factory a besoin. Dans le programme, yo mette, par exemple, qu'on est et dans le parc industriel, il y a un effort qui fait quand même pour bailler des mesures d'accompagnement pour moun cap travail. C'est ça, c'est là où besoin vous. C'est pas bailler chef entreprise, non? Cap fait. Qui gagne des millions, mais c'est normal pour le faire quoi. Attention, je ne vais pas l'interpréter ça bien. Les gens ne doivent faire quoi. Les gens investissent quoi, il faut le faire quoi. Et faut la pendant ce temps, la baille travail. Les gens ont besoin de travail. L'économie a marché, c'est ça. Mais on ne peut pas favoriser des gens qui n'ont pas besoin de faveur ça. Il y a plein. Il y a toujours plein. Mais c'est vous-même comme l'État qui pour une politique pour dire on d'abord garde des gens qui sont mal. Et qui j'en ai gardé mon Gibi Malio, c'est là que nous gagnons moyen dans le trésor public là, pour que le outil moun pas qu'à l'école, eh bien, un programme, nous connaissons un fonds national d'éducation, eh bien, dans le fond, ça, il faut que quelqu'un cop pour y mettre tout le monde sa parole, pas gagner moyen pour qu'à l'école quand même. L'eau dans l'hôpital, pour capable de jouer au minimum. Donc, voilà, nous pas qu'à dire que. Et ça n'a pas intéressé nous, nous allons manifester justement pour que nous créions plus la troublaille qui prend des services, qui prend jouer contre l'économie.
Depuis la trouble économie, la prend frappe, qui est déjà fragile, qui est déjà pas dans bon état, c'est faut qu'a fait pour mettre dans bon état. Et communauté internationale là, faut m'oublier, oui, dit, nous sommes comme ça déjà. Communauté internationale a reconnaître effort de gestion macroéconomique qu'a fait dans le pays. À côté, c'est pas vous et monter qu'a fait, c'est pas gaspillage qu'a fait, c'est des mesures qu'a prend que le gouvernement ça prend, que l'administration Jovenel Moïse, on sait avec le premier ministre Jacques Lafontaine, c'est des décisions qu'il a prend pour adresser problème yo. Et problème y a pas adressé, c'est surtout pour monde qui pis mal yo, pour capable monter dans échelon, pour capable arriver dans l'autre situation sociale ou bien socio-économique qui va permettre de vivre. Troisième question. Bonjour tout le monde, monsieur le ministre Diego Charles pour Vision 2000. Bien avant de poser la question, nous avons insisté sur la question que fait Ronald André. À partir de qui l'heure et décision pour faire ajustement là où ça, les mêmes effectifs, est-ce qu'on est capable d'attendre nous à partir de l'adoption d'objectif 4? Bien avant que nous poser la question, s'il vous plaît. Bon, ça me garde, c'est que Jean-Marc Durand, ce n'est pas le gouvernement qui décide de la montée gaz. D'ailleurs, c'est très clair sur ça. Au contraire, je pense que le président de la République, le premier ministre du gouvernement, je ne sais pas comme si c'est de gaieté de cœur ou bien d'avoir venu là manger la montée de gaz. Ce n'est pas ce qu'il va faire avec comme si c'est pour bon plaisir. Mais, ou ne pouvez pas avoir gaz là. Il faut acheter l'autre bord. Et qu'on prie lié. Ce n'est pas nous qui avons fixé. Donc, et ce n'est pas augmentation, c'est ajustement. Parce que, bon, par contre, si c'est moi qui ai un problème, même moi, ça ne va pas bien, c'est vrai. Non, nous pouvons dire que je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème. Non, hein. Vous êtes capable de déterminer que nous parce que moi, je ne sais pas qui est très simple. Je ne sais pas si je suis au gaz là. Par exemple, le président Jovenel Moïse Vini, je vous vois, baril là, baril bouille. Ok? Il te vend $40. T'as vu? Je ne veux dire là, $72. Sur le marché international là. Et pas nous-mêmes, donc fixé. Mais SNK dit, n'a fait comme si nous avons dit, réalité ça, il n'a pas existé. Donc, je demande des syndicats, ou bien l'autre monde qui peut être gagné des. Bon, par exemple, si vous voulez bon, comme exemple, même syndicat. Mais syndicat, c'est des partenaires qui sont censés, oui. Gouvernement, oui. Par exemple, il y a quoi avec pour créer des entreprises. Il y a commencé à créer là, de transport. Il y a commencé à créer là, oui. Il y a trois, oui, commencé à créer là. Syndicat, oui. Qui gagne des bus qui a besoin avec support l'État pour être capable de faire transport, améliorer les conditions de transport dans le pays. Avec le syndicat, il va pas l'autre. Donc, le syndicat, ça me pense que l'intérêt, nous avons une action qui a posé, il y a intérêt là-dedans. La population a intérêt là-dedans parce que c'est pas un bagage à faire, comme si nous avons dit, pour pénaliser les gens ou bien pour favoriser notre groupe. Voilà. Ok. Et maintenant, pour nous poser la question, il plaît que vous justifiez la décision par une autre voie. Vous conscient tout que la poser troubles sociaux. Pour y aller, est-ce que nous-mêmes nous parions pour nous faire face à ces troubles? Parce qu'on dit que le trouble a des conséquences sur l'activité économique dans le pays. Ça, c'est la première question. Est-ce que nous parions pour nous faire face à la pression sociale? Ça, je vais me répondre à la deuxième question. Ça, c'est clair. Je ne vais pas parler dans le pays. Attendez, est-ce que nous parions pour les troubles sociaux? Troubles sociaux, c'est pas le gouvernement qui a des problèmes, non? Ça veut dire comme si c'est moins, je vais avoir des problèmes parce qu'il y a des troubles sociaux, non? C'est la population qui va le payer. Moi, c'est ça m'a essayé d'expliquer la population là. C'est pas le gouvernement. C'est-à-dire, certainement, le gouvernement a besoin de stabilité dans le pays pour continuer capable de travailler. Jean ouais, n'a fait là pour délivrer. Nous avons besoin de ça. Mais là, ça n'a pas fait. Premier monde qui est victime, là, c'est le monde qui est mal. C'est masse peuple haïtien. Comment éviter cela? C'est... Non, et bien après, je dis que je ne pas entrer dans la logique. Ça. Et ça, je dis là, oui. Logique, ça ne pas entrer là-dedans, parce que ce n'est pas bon pour vous. Les gens qui ont manifesté, ils ont un gaz, ils ont un cobble en pour lâcher le gaz. Ou même, ils mettent au dehors, ils manifestent, ou bien, faire escombrite. C'est vous-même qui utilisé dans ce sens-là. Alors, ils sont capables d'utiliser. Je ne dis tout le monde de mauvaise foi. Je ne dis pas ça. Attention. Il y a des syndicats qui peut-être qu'à combien de bonne foi. Ou bien qui pensent, ils pensent aux gens, peut-être c'est oui, de jugement. Ça arrive tout. Même nous connaissons tout le monde
quel que soit sauf les faits, là toujours j'ai un problème là-dedans. Là, parce que l'équipe équipe monde peut-être il a un problème avec elle ou bien il estime que c'est pas qui côté là c'est lui-même alors que une élection qui fait toi pour connaître que le président là qui est élu pour 5 ans pour administration ou même préparer leur élection à fait et pas une élection à fait en 2021 pour président en 2022 pas ça. Et ça bon ça veut dire et pas comme si bon, tant on dit en passé vite que pas toi ça veut dire que ou un petit moment pendant ce temps préparé ou pas faire mode de bagarre qui vraiment pas pénaliser population parce que pas voto soit faire bagarre estimé ou faire bagarre qui pénalise ou pas voto non donc ou même essayer accompagner les grands mouvements qu'a fait le président gouvernement font ou action soit action ça vraiment utile pour pays courir pour avancer parce que ou même leur venir si c'est ou venir dans 5 ans laisse on pas joindre ou continuer route là c'est qu'on soit construit pays mais c'est pas pour dire ou empêcher un gouvernement de travail, ou mettre instabilité parce que vous estimez que les gens ne savent pas. L'on fait ça et pas la population. Ça. Attention, je vais parler avec les peuples haïtiens. Parce qu'il y a des politiciens ou bien des gens qui sont dans des groupes qui ont gagné intérêt par eux. Mais attention, c'est vous-même qui êtes la victime. Ma petite population, souhaite pays qui commence pour stabilité autant de FMI Banque mondiale BID l'Union européenne yo d'accord pour bay Haïti une contribution alors yo appui budgétaire de 90 millions de dollars plus que ça parce que par Union européenne c'est 30 millions d'euros et BID 30 millions de dollars et Banque mondiale 30 millions de dollars et bien c'est pas figue n'y a pas chez non c'est qu'à dire ah gouvernement ça il va aller dans bonne direction qu'il est bagaille a fait là. Nous pensons qu'il a apporté des résultats. Même si pas où il a, mais il a apporté des résultats. Son gros bagaille pour Haïti, oui. Son crédit au fort, c'est reconnaître au sérieux, oui. Qui fait ça? Donc, vous besoin de craser ça. Vous besoin de craser le crédit, ça, que nous, même le peuple haïtien, pas le gouvernement. C'est haïtien qui commence à voir l'autre. Je dis, ah, semblez nous voulons faire un bagaille. Et puis, il a essayé d'accompagner nous. Même pas qu'à retourner dans l'auberge. Ok, c'est bon, certainement. Je ne comprends pas que ce n'est pas moi qui souhaite monopoliser le pouvoir, je souhaite mettre merci. Pour y aller, vraiment pour me finir, est-ce que dans le niveau gouvernement, nous cherchons à comprendre ce qui s'est fait, les populations sont toujours hostiles à toute augmentation, alors toute révision à la hausse, tout ajustement à la hausse de prix gaz là. Parce que des gens qui estiment que c'est injustice le fait que le prix baril de pétrole là, les baisser sur le marché international. Nous-mêmes, bon, ici, nous ne pas conformer. J'estime que c'est injuste. Est-ce que nous-mêmes, nous cherchons à comprendre ce que ça fait, mon nous, toujours opposé à un quelconque ajustement à la hausse du prix de la place? Je pense qu'il y a trois problèmes, trois raisons de faire ça. Et ça me pense, quand on veut me donner, il y a trois raisons de faire ça. Première raison, effectivement, nous sommes dans une situation vulnérable. Ça nous reconnaît, lui. Haïti, ce n'est pas Kounia, pas Junior Yodia, population, compagne de biens, de services que le PAC a joué, il n'est pas arrivé à joindre. Et il doit joindre, mais il n'est pas capable de joindre. Il doit être frustré. Et surtout, le que vous-même avez gardé tout besoin, vous gagnez. Et puis Kounia là, vous dites, bon, vous raison là, vous nécessité pour mettre un petit bagage sur le prix de Gaza. Même si vous avez raison, lui-même l'a toujours, car ça dérange elle. Vous comprenez ça? On va comprendre ça. Mais nous disons que c'est bon choix que nous faisons. C'est la réalité qui impose ça. M'esprit est capable de comprendre ça tout. Deuxième raison, au conseil de monde, de politiciens ou bien de l'autre monde, c'est de groupe qui ont même gagné des bagages par eux pour régler. OK? Et puis eux-mêmes, ils ont profité de ça pour faire une propagande, pour dire ah, attendez, mais ils ont des bagages, mais tout bagage. Par exemple, il y a des prix. D'abord, même. Pas que prix de produits monté là sans gaz pas monter, autant de parler de ça. Et monsieur les journalistes, même j'avais. Nous, combien de produits monté là déjà là, pendant la parler là, depuis avant, il y a des gens ici, ils ont monté produits, ou monté produits monté. C'est pas gaz, c'est pas parce qu'il y a un gaz. Mais aujourd'hui, c'est gaz à quoi fait produit monté. Je ne vais pas dire le contraire, il n'y a pas de coïncidence. Mais l'on prend gravité, situation pour rien. Par rapport à l'incidence que le cas gagne et m'dadjou pour une couche moun nan pays au niveau social, ok, un cas faut faire balancer la plus grave. M'bon garanti si ou moun a travaillé là dans le ministère de la communication,
Et puis, il y a là, lui-même, il a occupé 5 personnes, 6 personnes, 10 personnes, là, quand tout le monde est dû lui dépendre. Et puis, lui, il n'a pas qu'à toucher, parce que l'État n'a pas qu'à payer. Bon, je vous garantis que ça a plus de problèmes que c'est un prix gaz, je dis, mon cher Gontier, justement là, soit pour camionnette, là, on a oublié de payer 2 gouttes de plus. Vous êtes d'accord même? Parce que nous pas qu'arriver dans une situation de cessation de paiement ou bien d'incapacité, d'insolvabilité, telle que le pays a qu'a bloqué. Je ne pas dire ça va le faire, non, parce que heureusement, je connais que ça n'a pas fait. Et ça n'a pas fait parce que je connais que la population est capable de comprendre. C'est peut-être des explications, pas jeune. Et c'est le troisième problème de Baldi. Troisième point, il faut pas l'explication. Et c'est ça qu'on fait là. Faut ba... Et parce que pas qu'il y a assez d'explications. Et nous-mêmes, on fait. Et on a dit, le gouvernement, ça, il est très sensible à la question sociale. Très sensible à la question sociale. Moi-même, dans la réunion, dans le conseil des ministres, on a partagé avec nous, le président, lui-même a demandé, comme s'il a persisté pour que, effectivement, le gouvernement, l'État, capable de joindre plus de moyens, plus de possibilités pour que l'adresser problèmes sociaux dans tout programme que le gouvernement gagne et l'autre qui pas marcher qui devine marcher et l'autre pour y ajouter toujours qui pour adresser problèmes sociaux ou accompagnement. Ça peut pas le résoudre problème dans j'aime dire là, mais soit accompagnement pour que en attendant tout résultat de toute mesure qu'après qu'on y a là contre corruption dans pays y a là et m'a dit comment vous qu'a récupérer l'autre me dit 7 milliards. Mais moi vérifier que c'est 5 milliards de plus que nous gagnons. 5 milliards de gourdes de plus qu'autrement nous pas besoin si l'État pas prend des mesures pour gommer contre corruption, pour gommer contre ces deux mauvaises pratiques qui te gagnent, qui gagnent toujours que le gouvernement combat, mais gagne toujours. Attention, hein? Nous pas dit comme si tout problème ça finit résolu. Le gars va l'échec zombie que joignent, que c'est l'éducation nationale, que c'est dans l'intérieur, l'ogade, bon, on connaît tout. Bon, il y a plusieurs côtés là, qui ont de pratiquer, qui ont fait que l'État perd du cob. Et il y a des gens qui déjà ont moyen dans les qui ont un réseau, réseau mafia, qui ont du souci, mais gros souci que nous avons. Le président de la République n'a pas cette instruction très claire. Il n'a pas toléré ça. Autant de que il y a des gens. Il a arrêté là dans l'administration publique là. Il y a des gens dans l'administration publique là qui travaillent jusqu'à récemment là. Ils sont en prison là actuellement là. Ce n'est pas le président qui dit la gourmet contre corruption. C'est vrai, on est capable de dire ah, mais toujours il y a corruption. Mais c'est au moment où il faut commencer à gourmet contre lui. Et la meilleure façon président dit pour le gourmet contre lui, c'est la prévention. C'est vrai, il y a des gens qui mélangent dans ces bagages, il faut que l'État. Répondre pour la justice, pour la responsabilité. Mais, ça qui est intéressé, président, c'est, et gouvernement, et premier ministre Jacques Lafontaine, c'est prévention. Mettez des mesures, mettez des balises pour empêcher corruption, blague, école, j'en ai fait là. Donc, tout ça, c'est, ou pas qu'à dire, c'est des balises négatives, même si on a opposition. Alors, ils font route là, et c'est mon gouvernement qui a passé là-dedans. Ou pas qu'à dire, il n'est pas bon. Sous un problème technique là-dedans, il y a un problème. Non, il a dit, ah, j'ai fait dans la je vais mon cher combat. Il y a quoi, il y a aussi simple que ça. Mais ou pas qu'à dire, ça pas bon. Donc, il faut être sérieux. On peut être sérieux, on est sérieux. On a demandé encore une fois toute population. Et, moi, je dis, pour pays avancer, il faut qu'il y ait stabilité. Depuis qu'on a créé la trouble, et ce n'est pas un bagage qui est vraiment justifié, pas entrer là-dedans. Bon, conseil, ça, pas entrer là-dedans. C'est vous-même qui êtes victime, c'est vous-même qui va le payer. Ok, on a pris deux questions encore, donc très précis, pour ces questions directes, de volet, PNH. Alors, moi, je profite de l'occasion de saluer monsieur le ministre, tout le monde qui est là. Donc, première question, non, bon, on commence avec moi-même. En question à deux volets, chaque fois, monsieur le ministre, ils ont ajouté. Pour ajustement qui fait au niveau de brigade, moi-même, moi j'ai un problème, moi confronté. Je pense que c'est pas seulement même, il y a plein de monde dans la population qui a un problème là. Donc, le ministère des Affaires sociales lui-même, il sorti une liste, il a pris Cousteau. Moi-même, dépendamment de l'ELIA, chauffeur FMDE, il y a un prix. Donc, là, je connais qui ça a fait dans ce sens pour permettre que les listes sorties nous définissent pour eux, chauffeur eux-mêmes pour eux respecter ça qu'ils disent. Très bien. Et sous côté ça, d'après moi, je connais tout,
qui ça a fait pour moto? Parce que je ne me rappelle pas qu'on a précision dans ce ça pour moto. Bon, je me trompe peut-être. Deuxièmement, les questions. Donc, dans l'effort que le gouvernement a fait lui-même pour adresser le problème, la population pour des réponses, pour mettre des routes, en fait, nous avons appris qu'on est, est-ce que nous gagnons un plan pour les gens qui ont utilisé la route 15 coffres? Parce que chaque matin, pour nous déplacer dans la route 15 coffres, nous besoin au moins 1 heure à 2 heures. En fait, on tire route normalement que tu as doué, ou besoin 10 minutes pour faire, ou pas 1 heure à 2 heures, chaque matin pour me descendre pour me faire. Là, mais qu'on est, qui ça nous-mêmes nous gagnons pour projet nous, en ce qui a trait à infrastructure routière, pour nous même cap utiliser route 15 coffres, au moins qu'on va aller mieux dans ce qui a un rapport avec la circulation. D'accord. Pour question Gaza, ma bien. Prix Gaza, là, mais tout le monde comprend ça bien. En nous clair sur ça. Prix Gaza, ouais, joue l'État perd du contrôle, prix Gaza. Tendez bien, population. Joue l'État, il s'est perdu contrôle, prix Gaza, gentil, de mon APC fait là. Bon, garantie. Bon, gardez-moi, on sait pas le péter. On sait pas le péter. Qui se connaît pas le passé? Chaque monde va le fixer, prix par eux, dans le terre. Parce que l'État pas le contrôle, imagine l'État arrivé dans cette situation là. Gardons bagaille m'bat ko di, ça extrêmement important. Le nous pas gagne comme tout, go bagaille extrêmement garder manque lié monsieur. L'État qui doit pas commander gaz oui. N'a parlé de prix gaz là, gonti ajustement. Bon, ou qu'il a pas joindre gaz là même. Par contre, si nous comprendre ça bien non. Kounya la plein effectivement que des monde m'ka comprendre. Que des monde m'comprendre. Parce que situation difficile, vous comprenez ça. Et ça fait le gouvernement travaille pour corriger, pour améliorer tout ça qu'a amélioré. Pour changer tout ça qui a changé. Mais, t'as bien ça m'a dit non, oui. Kounia n'a dit, prière ajuster son problème. Vous comprenez. Mais vous ne pouvez pas jouer du tout. Et là, nos situations, gaz n'a pas commandé pour entrer dans le pays, parce que nous n'avons pas un corps pour ça. Kounia là, vous allez jouer des gens qui peuvent jouer gaz par eux quand même, qui peuvent jouer galon gaz à 500 gouttes. Ça arrive déjà, oui. En 92, après question embargo, etc. Quel galon gaz qui vend plus de 500 gouttes ici? Dans le pays d'Haïti, un galon? Parce que vous avez des privés qui contrôlent les petits gaz là, ils ne sont pas balayés, ils ne sont pas nous-mêmes qui besoin de vivre. Vous appelez 1000 gouttes même. Dans une situation, vous appelez 2000 gouttes. Et mais, c'est un petit crasse qui a fait. Puis, il faut que vous ne pas pénaliser parce que vous ne pouvez pas jouer. Donc, prix gaz là, il faut que l'État ait un contrôle. L'État obligé de contrôler les gaz qui sont produits stratégiques dans le pays pour que vous ne arrivez dans une situation côté privé de contrôler la situation à bail privé. Et depuis cette situation, ça c'est pas piba la vine piba. Je pense que tout le monde est d'accord sur ça. L'arrivée dans la situation, il n'y a pas de vine piba, c'est monter la montée. Et il a monté aussi haut qu'il veut parce que l'État n'a pas de contrôle. Donc, l'État a essayé de contrôler la situation pour que lui-même tout. Il y a une capacité pour continuer à assurer que le produit est disponible et que nous avons besoin. Nous avons besoin d'encourager ça, nous avons besoin de supporter ça. Par contre, le monde qui a dit nous, à camper, à faire manifestation face à ça, parce que le monde qui a dit ça, et pas vous-même la défendre. Je vous garantis que le monde qui a dit ça, le monde qui a dit ça, il y a des moyens, il y a des cobli là, des machines là, c'est fou. Pendant qu'il a dit ça, il y a des machines là. Pendant qu'il a dit ça, il y a des machines là. Il y a moyen pour ça. Donc, vous-même, et ça pour exiger, et d'accord, population, mais ça a le besoin. Il y a droit parler de ça. Il y a droit pour parler de ça pour le gouvernement tendre. Le gouvernement a besoin tendre. Et il y a droit pour parler de ça pour exiger, effectivement, plus accompagnement au niveau social. C'est ça qui prend un impact direct sur lui. Et le gouvernement même, c'est ça l'a fait. Et ça l'a fait là. Et ça l'a fait là. Mais ce n'est pas pour dire à l'entrée dans le système. Côté, n'a financé les gens qui sont bien, soit disant parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas payer une goutte, deux gouttes en plus, et puis qu'on y a là, si l'un pas fait le tout, ça va permettre que le conseil de l'autre accompagnement pas besoin. Vous savez, attendez, ça m'a dit à nous-mêmes, nous avons fait expérience, allons au restaurant communautaire, on va payer un plat de manger pour 10 gouttes. Mais comme ce n'est pas magie au fait, non, comme si vous payez 10 gouttes là. C'est comme dans la recette l'État fait qui est capable de permettre que. Ou monde qui vraiment dans situation qui difficile au moins faut le manger les ca joindre ou l'autre manger le manger pour soulager lui parce que pas dit monde ça faut l'attendre que changement vienne en Haïti faut pas dit l'attendre que toute politique que président Jovenel Moïse avec
premier ministre Jacques Lafontaine a mettre en place là. Il faut attendre les résultats avant de manger un plat de manger. Ça, vous pas attendre. Faut que les gens aient un moyen pour le faire. Basé nos clairs là, ça. Ok? Ok. Une dernière question. Ok, ministre. Monsieur Westy, bonjour. Ministre, moi, noter quelques points importants. Premièrement, malgré l'insistance de plusieurs journalistes, nous notons que vous n'avez jamais répondu à la question qui le. Augmentation, ça qui est annoncé à l'IAPFIC. Ah, ma réponse, non. Donc, il t'arrête. Non, je vais te répondre à ça. Et... c'est comme beaucoup possible. Non, pas de problème, non. Comme effectivement plusieurs m'ont déposé. C'est-à-dire que, gros processus qui est en cours, c'est-à-dire que le ministère des Finances, il y a des secteurs qui sont concernés. Il y a travail sur le dossier. Au moment opportun, samedi à la baronne, c'est après-midi, c'est l'autre semaine, ou bien qui l'aime, pas à Julie là. Mais, au moment opportun, il y a gagné des notes qui sont sorties. Cap dit exactement qui s'est fait. Ok. Merci pour la précision. Et ministre, nous notons tout que vous invitez la population pour ne pas aller entrer dans le schéma, manifester, protester, etc. Yeah. Déconseillez ça. Pas fait pas comme ça. On nous précise que depuis annonce augmentation prix gaz là, ok, et goutte là qui te gagne une faux stabilité depuis un peu plus d'un an, qui t'a avoisiné entre 64,5 et 65, etc. Il y a une seule chute. Li, au point que, il y a des gens qui ont l'impression que BRH n'a pas de contrôle. Good là encore. Parce que il y a des banques qui vont venir à 67, il y a des banques qui vont venir à 68. Dans tout le passé. Alors que nous avons des réunions qui ont multiplié, côté que l'État a dit qu'il a changé tout le prix en good, etc. Mais il y a l'impression que il y a un contrôle total que vous avez perdu sur fait good ça. Pendant, mais depuis le annoncé. Augmentation de gaz, c'est le pire. À part le fait que vous annoncez quelques mesures sociales que gros population peut ressentir, vous annoncez que non, gain côté a marché oui. Alors non, vous m'avez pas marché, ministre. Parce que comme vous parlez chercher acheter plat manger pour dire good, comme vous chercher acheter que là pas well, mais pour comme ça en cours. Oui, alors ça me t'a dit c'est que à part le fait que mesures ça vous annoncer le gros de la population pour ressentir, est-ce qu'il y a des dispositions concrètes, claires et sans détour sans Samte Kadjou essayer de convaincre. Et 1, 2, 3, méthodique, que le gouvernement apprend, que l'administration en place apprend, pour vraiment porter des mesures de compensation par rapport non seulement à prix gaz qui a monté, qui pourrait obliger à monter, goutte là qui finit, chute net, et tout, pour se répéter tout à l'heure, prix tout produit qui pratiquement doublé sous les produits de première nécessité qui pratiquement doublé depuis leur annonce prix gaz la montée. Non, pas besoin. Ministre, moi-même. Non, t'as l'air. Non, t'as dit, mais ça va plus. Ici, en Haïti, nous connaissons que il y a des gens qui ont pratiquement des prix de manière arbitraire ou bien anarchique. Ça arrive. Ok? Il y a des gens qui ont base digital, qui font des fois monter des prix. Mais, comme si c'est pas. J'aime du là, prix monté, Mbadjou, prix gaz n'a pas qu'à une incidence. Mbadjou n'a pas qu'à une incidence. Mais, il ne faut pas dire comme si c'est prix gaz qui a monté, parce que c'est tout. Il y a des bagages qui ont monté, les gens peut-être pas payé attention, ou bien même ils ont payé attention, pas attendre, il y a l'autre monde qui a parlé de ça. Peut-être gens des syndicats qui parlent, ou pas attendre à parler de ça. Mais ce n'est pas ça, comme je vous ai dit. Au contraire, c'est-à-dire, sur la question globale, question du niveau de vie dans le pays, sur la question globale, c'est-à-dire, ce n'est pas question de gaz attaqué doit monter pour la vie à descendre. Oui? L'idée qu'on a monté pour la vie à descendre. Et puis, sous les mois, il y a mort. Pendant gaz à monter ou draper un transport un petit peu plus et puis qu'il y a l'autre investissement qui a fait dans bon l'autre secteur côté ou même ou venir moyen pour acheter le tout pas de problème non que, tout ça qui a parlé c'est parce que nous dans une situation précaire mais si que ou capable de faire économie en marché nous avons un job nous avons côté organisé le travail investissement fait dans social investissement fait dans infrastructure investissement a fait dans l'agriculture etc. Comme si le pays a marché. Bon, attendez, on va l'avoir. Par exemple, pour question prière, bambo des chiffres là. Nous disons en République Dominicaine, il est pratiquement 5 dollars, 4,9 dollars pour un gallon, gasoline. Ok? Ou prend. Et quelques pays qui sont 6 dollars, par exemple, Barbade, par exemple. Ou en Barbade, vous payez 6 dollars 44. Ok? Dans Belize, vous payez 5 dollars 68. Vous comprenez bien? Dans Uruguay, vous payez 6,36 $.
C'est dans la région là tout. Ok? Regardez, Nicaragua, ok, ou payer, par exemple, Jamaïque, bon, pour Jamaïque, qui paye nous, ou payer 4,79$. Mais, c'est pas payé comme si mon pays a fonctionné ou continue à fonctionner. Vous attendez toute parole ça, non? Parce que c'est un piché passé, nous. C'est pour montrer, c'est pour l'économie en marché, il faut que l'État ait moyen, là, mais tout pour créer cadre pour investissement fait, pour job créé. Ou bien pour jouer manger, pour manger à travers l'agriculture, pour jouer une route, pour jouer une communication entre le pays. Mais c'est tout ça qui fait le pays, il y a l'autre statut, il y a une croissance économique qui permet que les citoyens dans le pays soient capables de jouer mieux être. En d'abord, même pas si tout le monde pas si pas de problème, tout le monde a un job là, a un bagage, tout le chômage n'a pas de salaire, etc. Vous pensez que tu as un problème avec l'ajustement, ça va faire, pas de problème avec. Donc, ces problèmes pays a d'une manière générale pour l'adresser, et c'est ça que le gouvernement a fait. Tout projet qu'a fait là, c'est des projets qui ont un impact, on a dit, global, transversal, dans tout secteur dans le pays, qui pourra permettre que nous li ka gagner une situation économique, socio-économique qui permette de répondre à une série d'obligations. Mais, si vous dites comme ça, c'est, vous pensez que Gaza, c'est non parce qu'il monte et ou puis l'ajuster, parce qu'il ajuste. Vous pensez que c'est ça le problème non, seulement, c'est pas ça. Donc, c'est pour nous garder pour là, globalement, pour que l'État, et qu'on sait que c'est l'État qui pour baille le ton. Par exemple, l'électricité. Vous avez tout effort qu'a fait pour gagner l'électricité. Dans le pays, à quel côté l'électricité a l'île déjà. L'électricité président a parlé à quel côté l'Iriel déjà là. Ok, dans la bonne commune à travers le pays. C'est-à-dire que pour ça fait, l'État a une responsabilité pour l'assumer. C'est vrai, la ouvrir à l'autre privé qui est capable de entrer dans la logique bail courant. Mais le conseil d'infrastructure, c'est l'État qui met enlevé, vient mettre un réseau électrique dans tout le pays. Pour assurer que même si on est privé, on a le bail courant. Pour qu'à bailler. Eh bien, il faut qu'à faire la gounia là, l'État a de infrastructures qu'il faut mettre en place pour permettre que le privé soit capable de jouer un cadre que le besoin pour l'investir, pour jouer un travail, pour une économie qui aide la population à respirer. Et voilà, ben, c'est que nous faisons le tour. C'est un plaisir pour nous de parler. Donc, nous sommes toujours disponibles. 24 heures sur 24, sur le journaliste Marilim, ça c'est Lik Pavli. Les médias besoin, mais pas de joindre moi, on pas responsable. 24 heures sur 24, vous pouvez arriver à 1h du matin, 3h du matin, ma préponde. Kébila, merci. Merci. Nano, ministre Culture et Communication, M. Joseph Kilesse-Delvan, nous avons remercié toutes les amis de la presse qui ont fait des déplacements, qui ont venu couvrir la conférence. Nous connaissons Jean-Ministre, il est toujours disponible. Et à chaque moment, chaque fois que vous avez besoin de faire sortir, nous avons convoqué nous. Merci à la télévision nationale qui est en direct, à tout le monde qui est sur les réseaux sociaux, qui est en direct dans la diaspora. Et puis, pas oublier, continuez sur nous sur www.communication.group.ht, sur notre réseau, @MCHaïti, @Carvin. Merci tout le monde et à bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée.